ferme sa parlait plus après que j'ai... Hey, comment allez-vous? Hey! Décidérez! On est en onde, c'est incroyable! Ouf! Wouh! Décidérez, live, devant public, live au Geekfest! Voilà, live dans l'avenir, parce que cet épisode-là va jouer dans une semaine, mais là, on l'enregistre lentement. Là, il y a un thème qui joue. C'est vrai? Ouais. Ah, ben OK, c'est c'est pas supposé. Hey, je peux-tu essayer quelque chose? Ouais, vas-y. Après ça, je vais être en personnage. Mais j'ai besoin du silence. Deo! Deo! De l'an conga, de l'aïdingo! Cache-faire, c'est hot! Dans le cas de l'épisode, je suis en personnage! Il est en personnage, là, mets ça au cloud tout de suite. C'est écho en tabarnak, je sais pas comment ça va sonner, là. ça va sonner écho. Ça va sonner de même? C'est écoutable? C'est écoutable? OK, on me confirme que c'est écoutable. Alors voilà. OK, merveilleux. Donc, on confirme que c'est écoutable. Décidérez, très content. On a reçu un épisode devant public, donc encore une fois, au Geekfest. Il y a 8 personnes, des valeureux chevaliers qui sont là à 8h, 9h du soir. Comment ça va, la gang? Êtes-vous sous? Non, ben c'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui au Geekfest? Des podcasts. Ben voilà. Hey, je savais même pas que c'était possible d'être debout à cette heure-là, mais on a des vrais de vrais ici ce soir. Et voilà, les guerriers de la nuit. Puis j'ai avec moi le panel le plus geek. Trop pas. Oui, Jimmy Monchandel est plus geek. Ben oui, j'ai d'abord avec moi Mathieu Niquette à mon côté qui va s'occuper de la console aujourd'hui. Comment qu'il va, Mathieu? Eh oui, j'ai déjà une erreur à mon actif. Je veux juste te complimenter que tu es très propre. En Merci. Plus de ta nouvelle coupe de cheveux. J'ai une date tender après l'émission. Ah. Ouais, c'est ça. Bon. Voilà. Ouais, ensuite de ça, on a Sophie Croteau. C'est pas une joke. On a ensuite de ça, Sophie Croteau qui est c'est là. Moi. Comment qu'elle va? Ça va, hey, je suis vraiment émue d'être ici dans ce jardin parce que c'était comme mon endroit préféré quand j'étais au cégep à Maisonneuve. Je venais me réconforter quand j'avais besoin. As-tu déjà sucé quelqu'un ici, Sophie? Non, parce que j'avais un chum dans ce temps-là. Ah, ici, parce qu'elle avait un chum, par contre. Parce que sinon... Ouais. Et voilà. Le jardin aurait eu une petite senteur, là. Ouais, mais c'est vraiment une très bonne question de la part de Maxime. Mais supposons, on t'aurait pas sucé ton chum ici? Ben, moi, je suis plus du genre, tu sais, comme on serait trouvé un bosquet et on aurait fait ça, la complète. Là. Ah, il y a juste ça, des bosquets ici. Voilà. Ben, attends, on a une émission au clair. Ensuite de ça, j'ai avec nous Maxime Gervais des Peace Boys. Comment qu'il va? No money, no love, ça va toujours bien. Très content. Une recette gagnante, mon petit jus. Oui, ça l'est une. Et on a avec nous. Colin. Bon, Colin. Inspecteur de zoo. Oh. Et, j'ai été inspecter le parc jurassique la semaine passée. C'est coeurant! C'est dégueulasse ce qu'ils ont fait là. C'est situé où le parc jurassique précisément? C'est sur une île en San Diego, là, pas loin de là. Okay. Épouvantable! As-tu retrouvé la bonbonne là, de crème à raser avec les embryons? On l'a retrouvé. Ouais, puis. Sur le dos d'un tricératops. Pas celui qui chiait dans l'œil. Hey! Ils chient de même parce qu'ils ont mis des plantes qui n'ont même pas rapport. Ah! Hey, ça n'a pas de bon sens ce qu'ils ont fait dans le parc. Ils ont mis des plantes là parce que ça fait beau, ça fait préhistorique. C'est des plantes toxiques, les animaux, ça va manger ça. Ils sont tous malades. Donc, c'est où Léopold? Hey! C'est mon frère. Donc, si je comprends bien, quand l'être humain décide de jouer à Dieu, ça peut occasionner des situations bien fâcheuses. Fâcheuse, c'est quand tu renverses son popcorn au cinéma. Ah! Là, c'est dégueulasse. Des monstres.
Pas eux autres, les monstres, c'est nous autres. Les monstres sont pas dans les cages, hey, c'est ça. Ben, vous parlez tantôt de l'enclos des raptors, là. Oh! Jamais vu de quoi de même. Hey, on traite, là. on traite nos ordures mieux que ça. Mieux que les dinosaures. Hey, ça a 300 millions d'années, ces affaires-là. On leur donne même pas 60 secondes d'attention. Après ça, on se demande pourquoi, comment on traite nos aînés aussi, hein? Monsieur Couillard, là, un petit message pour vous. Même combat. Eh ben, j'ai jamais vu ça. Fait qu'on passe la soirée avec l'inspecteur Colin. Ouais, hey. Ben, je l'ai personnellement invité. J'ai fait 30 zoos dans ma vie. C'est celui qui fait le plus d'argent. C'est celui qui a avec le moins de qualité de vie. Pour les employés aussi, c'est épouvantable. Est-ce qu'il faut vous appeler inspecteur? Appelle-moi outrancier. Outrancier. Parce que ça n'a pas de sens. Vous avez quel âge, Colin? Oui. Oui. 17 ans! Bon, on est au clair. C'est une vocation, hein? Voilà. On va commencer tout simplement. Je pourrais prédire le box-office, mais on commence en force. On commence avec Maxime. On commence avec Maxime. Est-ce que Mathieu, tu veux me partir de ce thème-là? Non, non. Yeah! Yes, sir, la gang. J'ai préparé une belle chronique. En fait, c'est un fait divers qu'il y a eu cette semaine. Je sais pas si vous avez vu, il y a une compagnie québécoise qui s'appelle New Web TV qui a lancé, dans le fond, ils ont créé une chanteuse virtuelle qui va produire des spectacles. C'est comme une espèce de pop star virtuelle qui va se produire. C'est quelque chose qui est déjà apparu depuis un bout au Japon. Une certaine personnalité québécoise s'est insurgée. Et voilà, Monsieur Mario Pelcha s'est insurgé sur Facebook et ça a fait la manchette. Ah, un autre dinosaure! Oh! Et je vais prendre le temps de vous lire ce que M. Pelcha a écrit sur Facebook, puis après ça, ce sera le pont vers ma chronique. Alors, M. Pelcha a écrit « Ben, si boire! On a de la difficulté à faire en sorte que nos artistes se sortent la tête de l'eau, puissent vivre de leur art. Ben, hostie, on va inventer des fausses chanteurs, chanteuses qui n'existent pas, ne payent pas d'impôts, de loyers, de taxes, mais qui vont vendre des tickets puis des albums. J'ai mon tape de voyage. Monde de malade quand tu dis. » Fait que, c'est parfois gênant, les personnalités publiques qui ont accès aux réseaux sociaux. Ouais. Non, ils se mettent à sacrer de même. On comprend que Mario, il est pas d'accord. Je trouve ça quand même un peu bizarre. Ces personnes-là qui... Tu sais, à un moment donné, que tu sois pour ou contre une chanteuse virtuelle, ça va arriver. Il n'y a pas tout à fait tort. Non, mais oui, mais je comprends qu'on peut discuter de la valeur. C'est très maladroit. Ça va arriver, je veux dire. Il y a très tort, tu sais, dans la mesure où est-ce que le dans une production, mettons, de spectacle, il y a plein de monde d'impliqués. Lui, il ne peut pas payer d'impôts, puis tac, c'est un pion dans un échiquier au complet, tu sais. La production va avoir lieu, il va y avoir du monde qui va être payé pour produire ça, il va y avoir une industrie qui va rouler pareil. Tu parles comme le président du Jurassic Park. C'est pas nous autres qui le fait, c'est quelqu'un d'autre, Disney. Ouais. Mais tu sais, tu regardes ça, je veux dire, on va se le dire, là, d'ici 20 ans, tu vas avoir le show de Nirvana en virtuel. Ben ça oui, va exister, puis que tu te choques sur Facebook ou pas. Fait que, dans pense cet ordre d'idée, il y avait dans Guitar Hero 3, là, je parle de mémoire, je me mélange, mais il y avait un hologramme. De Mario Benjamin. Un avatar de Kurt Cobain. Ça a fait de controverse parce qu'on s'entend, c'est Kurt Cobain qui joue souvent des tunes de d'autres bands puis qui n'a pas d'affaires là. Pis ça marche pas non plus avec la mentalité qu'il a eu toute sa carrière, tout ça. Un dinosaure, ça devrait pas être dans un parc non plus. Ça devrait courir libre. Comme les artistes. Fait que ça répond un peu à ce que... Mais ultimement, c'est le choix du public aussi, non? Pardon? C'est le choix du public, là, à un moment donné. Ben, c'est ça. Et ce qui m'a amené, je vais débuter ma chronique, ce qui m'a amené, j'ai décidé d'écrire une nouvelle... Sur ce sujet-là, ça m'a inspiré, fait que j'ai écrit une petite nouvelle à ce sujet. C'est comme quand t'avais écrit une suite à Rush Hour. Comme quand j'ai écrit Rush Hour 4, dont j'ai fait la lecture à Déciderait. Fait que je me lance comme ça dans cette nouvelle. Mathieu, j'ai une petite parallèle, ambiance. Je trouve que c'est drôle, Rush Hour, parce que c'est le Rush Hour pour les dinosaures, là. Parce qu'ils vivent là-dedans encore pendant 4 ans, là. Il n'y en a pas un seul qui va rugir. Oh, mon Dieu. t'as-tu ma petite trame? Ça joue. Ça joue, OK. C'est normal qu'on l'entende pas tant. C'est vraiment juste une ambiance. Alors, je me lance. Ça s'intitule « Montréal 2017 ». Sur la scène, Jimi Hendrix finissait de prendre son ovation, tandis que sa guitare finissait de brûler tranquillement. Marilyn Monroe le déprésenta de plus belle. Jimi fit un dernier au revoir à son public et disparut en coulisses. Alors, l'éclairage s'intensifia jusqu'à éblouir l'auditoire. Quel miracle est-ce que la nuit nous réservait encore?
C'est alors que Freddie Mercury fit son apparition. Cette surprise n'étant pas à moitié digérée, le voilà qui était rejoint par le roi du rock and roll en personne, Elvis Presley. Enfin, le duo que nous avions toujours rêvé de voir. C'est dans un tourbillon frénétique que les deux colosses se livrèrent à un medley mêlant leurs œuvres respectives. La soirée de rêve atteignait son paroxysme, puis coup de tonnerre se fit entendre dans la salle et voilà Michael Jackson qui faisait son entrée. Yeah! Tout était là. Chapeau, gants de cristal, moonwalk. La foule se leva, c'était l'hystérie générale. Appuyé au bord, un seul homme ne succombait pas au charme d'un tel événement. Se contentant plutôt de compter le nombre de glaçons restant dans son 13e gin tonic, Mario Pelcha restait de marbre. Devant lui, le barman et propriétaire du club ne contrôlait plus son enthousiasme. « J'aurais jamais cru revivre un jour la grande époque! C'est comme si j'avais 17 ans à nouveau! » Puis, le propriétaire regarda l'homme qui était assis devant lui et lança « Excusez-moi, peut-être que je me trompe, mais il me semble que votre visage m'est familier. » « J'ai déjà fait de la pub », de lui répondre Mario Pelcha, qui profita du moment pour enfiler son long imperméable. Le moment était idéal pour quitter. Dehors, c'était le bordel habituel. Le bruit, les néons, les hologrammes, etc. « Venez faire un concours de rap contre les hologrammes de Locolocas. Venez jouer aux quilles contre Marie-Chantal Toupin en hologramme. Venez créer vos propres bottes de cuir de capybara avec Pierre Harel. » Mario décida d'emprunter les ruelles plutôt que l'éclat des néons, qui lui rappelait trop les projecteurs de son passé. Comment avait-il pu en arriver là? Comment est-ce que tout avait pu lui glisser entre les doigts à ce point? Il le savait. Un seul nom était responsable de l'origine de tout ce cirque. Maya Codes, l'hologramme originel. Mario ouvrit la porte de son appartement de la manière dont se déroulait désormais son existence. Sans but, vide, sans joie, guidé par un réflexe, il se dirigea automatiquement vers sa bouteille de scotch pour y verser un double. Ah, pis fuck, un triple. Sur les murs paraissaient ses disques d'or pour ses albums Mario Pelcha et Couleur Passion. On y voyait aussi son disque platine pour son album Pelcha. Quelle époque c'était! Il aurait voulu pleurer pour se libérer au moins du poids de cette larme, mais rien ne coula sur sa joue. Soudain, un bruit résonna. Bang! Un bruit qui venait de plus loin dans son appartement. Mario empoigna son Félix du meilleur album populaire de 1993 pour se protéger. Il ouvrit la lumière, fouilla la cuisine, fouilla le salon, sans résultat. Un second bruit, bang, venant cette fois-ci de sa chambre à coucher. Écoutant davantage son ivresse que sa raison, Mario se précipita vers la porte de son garde-robe qu'il ouvrit avec fracas. Il n'en croyait pas ses yeux. Assise en petite boule, effrayée comme un animal blessé, elle était là. Celle qui avait tout gâché. Celle qui l'avait détruit en moins de 6 mois. Celle qui avait anéanti tous les espoirs qu'il avait bâtis. Maya Codes, l'hologramme originel, Maya Codes. La lune était immense dans le ciel et Mario pointa la sortie à la jeune hologramme. « Je ne veux rien entendre. De toute façon, vos paroles n'existent même pas. »« J'ai peur. »« Je m'en fous. »« Vous devez m'aider. » »« Hors de question. »« Vous êtes mon seul espoir. » Vous avez tué mes espoirs. Il essaie de me tuer. Qui? Winston Codes. Mario éclate de rire. Winston Codes, le directeur de New Web TV? Allons, vous lui faites faire des milliards de dollars. Vous êtes sa vache à lait. Pourquoi voudrait-il vous détruire? Votre histoire tient pas la route. Laissez-moi dormir. Mario n'arrivait pas à le croire. Il avait une discussion avec une hologramme. Il devait quand même avouer qu'elle avait du charme. Elle avait de magnifiques jambes, des fesses bien rondes et une poitrine qu'elle gérait avec une discrétion qui embrasait l'imaginaire. En d'autres circonstances, il aurait pu en tomber âme. Ses pensées s'égaraient. Elle était maintenant folle et en cavale. Elle devait quitter son appartement.
maintenant quitter mon appartement. Il veut vous tuer, vous aussi. Que dites-vous? Il veut vous tuer, vous aussi. Qu'est-ce que vous dites là? Je sais pas pourquoi, mais je sais que nos destins sont reliés, que nos morts viennent ensemble. Il veut nous tuer tous les deux. Je vous en supplie, aidez-moi. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour vous. J'ai si peur. D'accord. J'irai rencontrer Winston Coates. Il y avait maintenant plusieurs minutes que Mario Pelchat se trouvait dans cet ascenseur qui le menait au condo de Winston Coates. Coates habitait dans le centre culturel du Myland, dans la tour Coates, qui dominait désormais toute la cité. Les portes s'ouvrirent et Mario Pelchat se retrouva dans un appartement qui aurait même fait rougir son ami Luc Plamondon. « Je vous attendais, Monsieur Pelchat. » C'était lui, Winston Coates, le génie informatique derrière les hologrammes. Celui qui avait moins d'un an, qui en moins d'un an avait transformé le monde des arts. Celui qui avait transformé nos idoles en une matrice virtuelle dont il était le seul marionnettiste, le seul architecte, le seul dieu. Comment est-ce possible? Je ne m'étais même pas annoncé de dire Mario Pelchat. Disons que j'ai des yeux partout, Monsieur Pelchat. Je vois. Comment va-t-elle? Elle a peur, mais elle va bien. Et vous? Je n'ai plus peur depuis des mois. C'est bien ce que je croyais. Maintenant, Coates, dites-moi, pourquoi? Plaît-il? Pourquoi voulez-vous la détruire? Pourquoi voulez-vous me tuer, moi? Bonne question. En ce qui la concerne, elle, elle est malheureusement rendue hors de contrôle. Au début de notre aventure, elle obéissait au doigt et à l'œil. Mais voilà qu'avec le temps, elle fut prise du désir d'émancipation artistique. Elle n'en pouvait plus de ses chorégraphies qu'elle qualifiait de stupides et insignifiantes. Elle voulait chanter sa vie. Elle voulait chanter son hologrammité. Elle voulait toucher le public au lieu de simplement le divertir. Mais comprenez, Monsieur Pelchat, un hologramme ne pourra jamais toucher son public. Mario n'en revenait pas. Elle, une hologramme, était prise de la même passion artistique que lui, du même élan de créativité. Elle était, elle aussi, prise dans la folie artistique qu'il avait connue toute sa vie. Et pourquoi vouloir me tuer, moi? Winston Coates afficha un sourire sardonique. Bonne question, Monsieur Pelchat. D'où croyez-vous que lui provenaient ses pulsions artistiques? Je n'en sais rien. De votre programmation? Non. Elle lui venait de vos chansons, Monsieur Pelchat. Il y a quelques mois, je lui ai fait écouter « Pleure dans la pluie ». Je ne l'avais jamais vue aussi perturbée. À la fin de la pièce, j'aurais juré avoir aperçu une larme holograsmique tombée sur le sol. C'était là l'événement qui lui a ouvert la porte des artistes, Monsieur Pelchat. C'est à partir de ce moment qu'elle est entrée dans son désir d'exploration. D'une certaine façon, vous pouvez en être fier. Ainsi donc, Maya Coates l'admirait, lui, Mario Pelchat. Ah, si seulement il n'avait pas été aussi brusque avec elle! Il n'avait désormais qu'une seule idée, la retrouver, l'embrasser, l'aimer. Chanter avec elle un duo pour le restant de ses jours. Pang! Mario fut sorti de ses pensées par un coup de couteau qui lui arriva droit dans l'épaule. Il hurla de douleur et envoya un coup de poing qui brisa les lunettes de Winston Coates, qui perdit également la prise de son couteau. Ayant beaucoup d'expérience dans les combats à main nue, Mario lui enfila quelques jabs bien portés et Winston Coates s'effondra sur le sol. Avant de quitter, Mario trouva l'ordinateur de Winston Coates et libéra tous les hologrammes qui seraient désormais libres de créer à leur guise, sans restriction. Ils étaient maintenant des artistes à part entière. Dehors, il pleuvait. Mario aperçut une silhouette qui se dirigeait vers lui. Il la reconnaissait. C'était Maya Coates. Je me sens libre. Oui, tu es libre comme une artiste. Libre de tout? Libre de tout. Alors je peux. Sous la pluie, de grosses gouttes,
Maya s'approcha de Mario Pelcha et l'embrassa comme elle en avait rêvé depuis qu'elle avait entendu la chanson de son idole. Pris dans le tourbillon frénétique de l'amour, Mario se surprit à laisser couler une larme. Une larme qui lui coula le long de la joue. Une larme plus scintillante que toutes ces gouttes de pluie qui lui ruisselaient sur le visage. Une larme qui se détacha de son corps pour tomber vers le sol. Une larme qui disparut. Et personne n'aurait su dire si la larme s'était perdue dans l'immensité de l'averse ou si elle était simplement remontée vers la matrice d'où elle venait. Wow. Merci. Bravo, Maxime! Wow. C'est cœurant! C'est malade. Merci. T'es un être fait que là, bon, par où commencer? Fait que là, les larmes sous la pluie, mm-hmm. t'as réussi à faire un parallèle entre Mario Pelcha et Blade Runner. On peut dire ça, oui. Ben, c'est parfait. Ben oui, oui. C'est se vend, là. Non, je me réjouis qu'une société se concentre sur des hologrammes pendant que des animaux vivants préhistoriques pourrissent dans un parc. C'est vrai, fantastique. Ça. Merci, M. Colin. Oui, heureusement que Colin est là. Qui a invité Colin? C'est Mathieu qui a invité Colin? Je sais pas. Non, c'est pas moi. Okay, je suis venu moi-même. OK. Oui. Je considère voilà. que des sidérés est le programme qui rejoint le plus de jeunes dans le pays. Vous avez pas accès aux statistiques, exactement. Ben, Maxime, c'était bien sûr, c'était bouleversant. C'était excellent. C'était, merci. Puis on a vu, là, on voit les niveaux de lecture et tout ça. Non, c'était... Mario Pelcha... Je sens mot. Ben voilà. Ben voilà. Ben merci beaucoup. On va continuer avec Mathieu Niquette, peut-être. Hey, j'ai pas mon thème. On va continuer avec Sophie, peut-être. Non, mais je l'aurai pas non plus, jamais. Là. Jamais. On peut le chanter. T'as pas le thème à Sophie? OK. Ben, tu l'as chanté, moi, ton thème. Bon, ben, alors Colin va chanter le thème à Sophie. Mais arrête de pleurer, la belle Sophie. Les dinosaures sont en train de mourir. Nous autres, on achète du popcorn, on aime ça. C'est bien le fun. Hey! Les enfants! Crip avec l'enfant du T-Rex! Wow! Ben moi, ça me touche beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup les dinosaures. Puis j'aurais cru que c'était comme quelque chose de bien qu'on faisait de leur redonner une deuxième chance. C'est vrai qu'une maman T-Rex, elle élève son enfant jusqu'à 19 ans. Moi, j'ai vu du monde, des humains, là, envoyer leur enfant au Burger King parce que ça ne leur tentait pas de l'élever. À 7 ans! Quoi? Être élevé au Burger King? Ouais, c'est ça. Arrêtez de lancer votre micro sur la table. Des boules! Arrêtez de lancer votre micro. Arrêtez de faire ça. Ça. Hey, avant de continuer dans ma track d'histoire de magicien, je veux juste. J'ai appris cette semaine que il y a eu un tour de magie qui a été fait dans l'espace. Fait que là, ça rejoint mes deux grandes passions, la magie et l'espace. Donc, c'est l'astronaute Ed Lou, qui est un japonais-américain. Ed Lou Bega. Exactement. C'est son petit surnom. Ed Lou Garou. Quand il était dans la station spatiale en 2003, il a organisé un tour de magie avec un magicien bien connu qui s'appelle James Randi. Si vous ne le connaissez pas, là, c'est un homme à découvrir. Il y a un super bon documentaire sur lui, sur Netflix, qui s'appelle An Honest Liar. Allez écouter ça. Et donc... le tour s'est fait à la fois sur Terre et dans l'espace. Et ce qui se passait, c'est que là, Ed Lou, dans l'espace, il avait emmené un paquet de cartes et qui était emballé puis tout, là, qui n'avait jamais été ouvert. Et en même temps, James Randi sur la Terre avait un paquet de cartes aussi qui a déballé en même temps. Et là, Ed Lou devait séparer le paquet, prendre une carte, la mettre à l'envers, le refermer, le remettre dans le paquet, le ressortir. James Randi sur la Terre faisait la même chose et il a réussi à piger exactement la même carte que Ed Lou dans l'espace. Pluton ne devait plus en croire ses oreilles. Oui, parce que Pluton est encore une planète en 2003, voilà. On le rappelle. Mais c'est pas de lui que je voulais vous parler aujourd'hui. Elle est surdevenue une planète? Non. OK, cool. Ça ne le sera jamais. C'est une exo... Ben, peu, en tout cas. C'est fini. Moi, des fois, de la manière que je vois comment on traite les dinosaures, je me demande si la Terre est une planète. C'est pas humain. Non, mais je pense que c'est une planète quand même. Il n'y a pas d'humain. Il n'y a pas d'humain sur toutes les autres planètes. Une heure avec moi. Dans le sens que tu viendras une heure avec moi. Au OK. Une heure. J'ai pas pris mon micro, là. Donc, aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'histoire de Carr le Mystérieux. Carr le Mystérieux, c'était un magicien
En fait, il était le numéro 3308 dans la International Brotherhood of Magicians, qui est la Ligue internationale de... Ben, la c'est 3000 magiciens. Mais non, attends, il était numéro 3000 en 1930. Là. Oh. Donc, imaginez le nombre de magiciens. C'est une très vieille association de magiciens. Oh mon Dieu. Et en fait, on a redécouvert son histoire parce que le président de l'association de magiciens, à un moment donné, il s'est vraiment tanné qu'il y a des gens qui prennent des risques pour faire toujours un peu plus d'argent, pour attirer plus de monde. Et il disait, c'est pas comme ça qu'on doit agir en tant que magicien. Donc, il a écrit un grand article dans le Linking Ring, que vous connaissez bien. C'est le magazine, bien ça, certain. Magazine mensuel des magiciens de l'association des c'est magiciens. C'est pas Pouf? Ça, c'est le spin-off. Ouais, OK. Le magazine des magiciens. Zap! Ouais. Zap! Donc, Durbin, le président, a raconté l'histoire de Carl le Mystérieux. À titre d'exemple, pour qu'on sache que ça vaut pas la peine, parfois, de prendre des risques quand on fait de la magie. Donc, Carl le Mystérieux, c'était en fait un homme qui s'appelait Charles Roran, qui habitait en Afrique du Sud, qui était bien connu pour ses tours impressionnants et qui était un peu un genre de casse-cou. Il aimait les choses extrêmes. Donc, par exemple, il allait faire un petit tour avec une camisole de force, mais il allait, pour se libérer, il allait se faire suspendre dans les airs. Il allait se faire suspendre. Ben, de la manière que sont traités les dinosaures à Jurassic Park, il n'y en a pas un qui se fait sucer là-bas. Hey. Julien, t'es-tu déjà fait sucer avec une camisole de force? Ah, il faut qu'il y pense. Non, mais supposons comme avec du saran wrap. Ah oui? Oh. Parce qu'il n'y avait pas de condom, là. Je pense que ça peut compter. Ouais. Ben, en tout cas, alors, on t'écoute, Sophie. On parlera, mais t'étais restreint. Ouais. Ouais, ça arrive des fois. On fait avec ce qu'on a. Quand la passion arrive. Ouais. OK. Un autre de ses tours vraiment fameux, c'est qu'il sautait de... Il se mettait sur une plateforme à 8 pieds de haut et il sautait dans un gros tas de verre brisé. Hein? Puis il se blessait pas. C'est vraiment un homme là, qui aimait les choses dangereuses. Mais son tour le plus fameux, c'était le tour où il se mettait encore une fois dans une camisole de force. Là, c'était son accessoire de prédilection. Ben oui. Ou du saran wrap. À 180 mètres d'une voiture qui était conduite par son assistant. Et la voiture lui fonçait dessus à 70 km/h. Et bien sûr, c'est un tour qu'il faisait souvent. Il savait qu'il y avait entre 10 et 15 secondes pour se libérer et pour, ne pas mourir. Parce que c'est pas le but quand tu fais de la magie, hein? Bien sûr. Mais un beau matin, en 1930, il était dans un petit village là, en Afrique du Sud et il avait annoncé là, qu'il allait faire justement son grand tour célèbre devant tout le monde, sur la place publique, devant l'hôtel de ville. Et là, il y avait plein de gens qui étaient présents, des enfants, des familles. Et un médecin aussi qui est venu le voir avant son truc, qui lui a dit « Tu ne devrais pas faire ton tour. » J'aime aujourd'hui. Ça quand tu décris qui était là. Il y a toujours des enfants. Des enfants. Les gens ont le cœur en fête. Il y avait un mime. C'est ça. Le mime était heureux. Le mime capotait. Mais je pense que c'est pour ça aussi que le président a raconté cette histoire-là, parce que quand on voit un spectacle de magie, on veut pas comme se dire que quelqu'un va peut-être mourir sous nos yeux. Ouais. On veut être impressionné, mais on veut aussi avoir un bon moment. Ben, dans quelconque circonstance, on veut pas ça. Ben, des combats de gladiateurs. Ouais. Donc, la ville est en fête. La ville est en fête et il s'apprête. Et comme à l'habitude, il fait souvent ce tour-là et il va lire sa petite lettre qui dit « S'il arrive quoi que ce soit, ne vous en faites pas, ce ne sera pas mon chauffeur, mon assistant, il n'est pas responsable. C'est vraiment tout dépend de moi et pas de lui. » Mais là, il fait le tour comme à l'habitude. Je sais pas qu'est-ce qui se passait dans la tête de son assistant ce jour-là. C'était Mario Pelcha. Je sais pas si c'est ça. Robot. Imaginez une voiture en 1930. Peut-être que le kilométrage était mal, il était difficile à mesurer, puis qu'un 70 km/h n'était pas vraiment un 70 km/h. L'odomètre était pété. Exactement. On sait pas. On le saura jamais. Mais en une fraction de seconde, la vie de Carl le Mystérieux a été volée par cette voiture qui l'a accroché, en fait, avec sa roue de droite parce qu'il n'a pas réussi à se libérer à temps. Et il est mort sur le coup en se faisant arracher une jambe. En quoi? En se faisant arracher une jambe. Oh! Oh! Mort sur le coup, devant les enfants terrifiés. Et le mime. Il est mort d'avoir perdu une jambe?
Non, ben, pas que j'en doute, là. Il est mort du char qui est rentré dedans et en plus, il s'est fait scraper la jambe. Ouais. Donc, voilà, c'était l'histoire de ce grand magicien. Et comment qui se sont sentis les enfants à ce moment-là? Ils étaient terrifiés, vraiment. C'était vraiment la cahute totale après. Est-ce qu'un enfant a reçu la jambe dans le son berceau? Les gouttes de sang, imaginez, qui revolent partout sur les gens présents. Mais donc, si vous faites de la magie à la maison, un petit reminder, faites ça de façon pas trop spectaculaire. Ça vaut pas la peine. L'argent, la gloire, ça vaut pas la peine. Mais merci beaucoup, Sophie. Merci, Sof Latoff. Ouais, Sof Latoff, bravo. Sof Latoff. Bravo, Sophie. Yeah, bravo, Sof. Et à notre animateur voilà. De foule, l'inspecteur Colin. Absolument. Monsieur Colin, alors, vous avez quel âge? 17 ans? 17 ans. 17 ans. Et vous avez commencé à travailler à quel âge dans les parcs jurassiques? 15. J'ai okay. Jamais vu ça, des affaires comme ça. Écoutez, un tyrannosaure séparé de sa femelle, de son enfant, brûlé avec des mégots de cigarettes. Quoi? Quoi? Ben vous avez une bonne connaissance. Après ça, on se demande pourquoi c'est agressif, puis pourquoi sa première panne de courant, ça sort. On devrait vous parler de Blackfish. Là, je suis tanné. C'est pas le méchant, le tyrannosaure. C'est l'être humain qui brûle sa cigarette dessus. Fait que le vrai dinosaure, c'est l'être humain. C'est le monstre. Êtes-vous allé voir Jurassic ça. World? Non. Non? Ah. Non, okay. J'y vais la semaine prochaine. Il faut que je m'achète un costume de bain. Hein? Parce qu'il y en a un dans l'eau. Ah oui. Les petites boules, là, qui se promènent. Là, vous le dites, là, il est mieux de ne pas être seul. La solitude, ça peut être une folie aussi. Ah, voilà, c'est des animaux sociaux. C'est sociaux. Hey, un tyrannosaure, ça peut se rappeler de son enfant jusqu'au bac. Quoi? Oui. Quoi? Il peut. Jusqu'au bac? J'en ai vu. Jusqu'au doctorat. Attends, là. Quel... Il y a trop d'affaires. Oh. Hey. L'université des dinosaures. C'est ça. Ça a de la mémoire. L'école des dinosaures. Ils vont à l'école, c'est ce que vous dites? L'autre jour. Ils pas écrire. L'autre jour, j'étais avec le petit dinosaure, le petit. Là. Celui qui saute par-dessus le tronc d'arbre. Ouais. Je lui ai donné une planche à Ouija. Hein? Il m'a écrit un roman. Ben voyons. Ben voyons donc. Ouais, c'est juste des oui et des non. C'est jamais ça ma fille, mais oui. Version dinosaure. Avez-vous une anecdote avec celui qui crache le Dilophosaurus? Ben oui. Oh, c'est mon On lui a mis des boucles d'oreilles avec des grelots. Ouais. Puis là, il peut jouer dans n'importe quelle production sur la femme là, qui est devenue folle au Québec. Là, qui? La chanteuse. Alice Robbie. Alice Robbie. Ah ouais. Quoi? Ah ouais. Tu peux leur donner de la chance de s'exprimer, ils s'expriment, ces dinosaures-là. Hey. Mais là, attendez, là, vous avez commencé à travailler là à 15 ans. Qui vous a engagé? Moi, je suis... C'est quoi votre background pour être inspecteur? Background de la rue. Quoi? 17 combats! Vous êtes pas comme... Vous êtes vétérinaire, non? 17 combats Burger King, ici. Pas une seule défaite. Avez-vous été élevé au Burger King, si vous parliez tantôt? Ils m'ont laissé là. Puis j'ai élevé. Qui j'ai ça? Grandi. La protéine d'un burger, là. Oui. Ça a tout été dans mes bras puis dans mes cuisses. Après ça, je me suis dit, je vais m'occuper de ceux qui sont laissés pour compte dans la société. Qui? Les dinosaures. Je comprends rien. Hey. Je comprends rien. Ça fait de moins en moins de sens, Colin, mais c'est quand même. C'est pas. Mais c'est qui est votre employeur? Qui vous a engagé à 15 Personne. Ans? À base volontaire, je fais ça. OK. On comprend. Fait que vous n'avez pas de salaire. Là, vous êtes rendu là comment? C'est sur une île, là. Ben, j'ai acheté mon billet. D'hélicoptères? Des hélicoptères, puis là, après ça, je suis rentré légalement derrière le bac. Hey, sais-tu comment on les nourrit, les dinosaures? Non. Ben avec oui, la avec la vache. Avec de dinosaures morts. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pas vrai, vrai, ils descendent une vache. Vrai, ils descendent une vache. Ouais, mais ça, c'est non, mais ça, c'est pour le tour. Ça, c'est pour le tour. La pour viande, la vache est remplie de viande la de dinosaures morts. Puis le requin, là, dans le... Pourquoi il fait des gros tas de même? Le requin, je sais pas, je m'en vais la semaine prochaine là-bas. Je vais pas acheter mon maillot encore. T'écoutes pas, t'es pas qu'une femme. Quoi? On salue les geeks. Alors, il y a 17 ans. Ah, ouais. Il y a 17 ans. J'ai dit des choses bien pires que ça à 17 ans, objectivement. Mon prochain combat, Robocop. Là, je suis tanné de le voir comme un objet. C'est un homme comme toi pis moi. On s'entend-tu? Ben, ça, moi, je suis d'accord. Surtout Robocop 2.
Là, je frapperai mon micro sur la table, mais on m'a bien clairement fait signe de ne pas le faire. Pourquoi surtout RoboCop 2? Parce qu'il est tout bleu. Le premier est tout gris. Le deuxième, il est comme un peu bleu. Il est pas autoritaire pantoute avec ça. On dirait un RoboCop de maternelle. Savez-vous qu'est-ce qui serait trippant? M'entendre prédire le box-office. Oh! Avez-vous le goût? Ben oui! Je sors mes petites notes. Le box-office, c'est les recettes en salle d'un film. Puis moi, j'ai la capacité, étant donné que je suis un génie, de deviner quelles seront les recettes en salle d'un film. Hey, Julien, j'ai pas préparé ma chronique. Deux secondes. Oui, vas-y. Je sais pas qu'est-ce qui m'attend comme surprise. Savez-vous, je fais quoi la nuit à Jurassic Park? J'entends que tout le monde se sauve, là. Tout le monde part de l'île, me cache dans une poubelle, puis j'ai une flûte. Puis je sors la nuit. Puis je joue pour les animaux. Comme dans Free Willy. Ah! J'ai une bonne imitation, moi. C'est mon thème. Ouais. C'est bon, c'est pas chien. Mais j'ai une bonne imitation de Willy quand il se sent seul la nuit. Pour vrai? Vas-y. Vous l'écouterez, là, Chris, je vous le dis que c'est ça. Tu le sais, toi, il me fait signe que oui. Merci. Ouais. Alors, encore une fois, je peux deviner le box-office des films à venir. Oui. Parce que c'est ça, j'ai beaucoup de capacité par rapport à ça. Doctor Strange, est-ce que ça vous dit quelque chose par hasard? Ça se peut-tu que ça vous dise quelque chose, ça, Doctor Strange? Super geek. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a vu ici? C'est-tu bon? C'est bon, hein? Je l'ai pas vu, en fait. Mais c'est la même affaire que, genre, Inception et La Matrice, genre. Cool. J'ai une question, mais que tu continues. Est-ce que le fait d'avoir vu le film, ça t'aide à le prédire, son box-office, ou ça n'a pas vraiment d'incidence? Dans cet ordre d'idées, la réception critique d'un film influence son box-office. Okay. Mais pas ton opinion personnelle. Mon opinion personnelle fait partie de la réception critique d'un film, en quelque sorte. Si tu l'as, là. Mais si tu l'as, oui. Alors, voilà. Doctor Strange. Combien va faire Doctor Strange au box-office? C'est pas évident, ça. Selon moi, c'est un film qui est reçu avec qui a une très, très bonne réception critique. Probablement, il y a 90% sur Rotten Tomatoes, sauf erreur. Qui est original. C'est pas un personnage très connu, en dehors des gens qui suivent ça. Mais c'est pas quelque chose qui a empêché, par exemple, Guardians of the Galaxy de faire 335 millions au box-office domestique puis 750 au box-office mondial. Je pense pas qu'on atteigne le buzz de Guardians of the Galaxy. La bande-annonce était très efficace, tout ça, mais je pense quand même que c'est le bon film au bon moment. Et je m'attends au bon mot à 275 millions au box-office domestique et 750 au box-office mondial. Audacieux. C'est ça. Et une suite. Puis des apparitions dans les trucs de Marvel, puis on s'en calisse. Hacksaw Ridge, dernier film de Mel Gibson. Son dernier film en salle, c'est Apocalypto, qui a fait un honorable 50 millions. Mel Gibson est persona non grata à Hollywood parce qu'il est antisémite, puis c'est un batteur de femmes. J'ai même vu le poster de ce film-là dans le métro et c'était écrit seulement du réalisateur de La Passion du Christ et d'Apocalypse. Ouais. C'était pas écrit son nom nulle part. C'est quand même triste. Fait qu'on comprend qu'ils peuvent plus mettre de l'avant Mel Gibson pour des raisons évidentes. Est-ce que ça va nécessairement ternir le box-office du film? Pas nécessairement. Je pense que c'est un des facteurs à tenir compte. Mais maintenant, ça fait 12 ans. Bon, je pense que les gens, c'est correct. Donnez-y un break. Puis on apprend. La critique est très bonne. Il a coûté pas trop cher, il a coûté 40 millions. Je pense que ça peut faire un 60-70 millions, ce qui serait tout à fait honorable. On verra. Trolls, les trolls, basés sur les jouets danois du même nom des années 70. On se souvient des trolls? Ah oui? Oui, qu'on avait avec des cheveux. Pis tout. Ben oui. Qui reviennent en force. Ils reviennent en force. Ça a coûté 125 millions, ce qui semble beaucoup. Avec les voix de Justin Timberlake et je ne sais plus qui. Avec qui ça? Avec la belle-fille, semble-t-il. Je pense pas qu'il y ait un gros buzz. Je pense pas qu'il y ait... Tu penses pas que c'est le grand retour des trolls? Non, je pense pas que c'est le grand retour des trolls. Je pense quand même que, bof... Tu sais, leurs cheveux sont assez drôles. Leurs cheveux sont très drôles, je vous l'accorde. Ils sont assez cocasses. Mais je n'avais peigné un, j'avais mis les cheveux tout... D'ailleurs, toi, Julien, on va te teindre les cheveux en orange.
Ça serait drôle, ça. C'est le fun qu'on s'occupe du grand retour des trolls, mais pas du grand retour des dinosaures confinés dans des cellules. Des cellules. Moi, j'ai un oncle, moi, alcoolique, qui a abusé de ma mère. Je le mettrais pas dans des cellules là-même. Seigneur. Je ferai un parallèle avec le film de Charlie Brown l'an passé, Peanuts Movie, qui est sorti au même moment l'an passé. Tout le monde connaît les Peanuts, Charlie Brown, c'est bon. Tout le monde connaît ça. Barbecue. Mais en même temps, tu sais, est-ce que ça éveille tant que ça les passions? Fait que c'est une espèce d'équilibre entre les deux. Puis je pense qu'on est exactement dans la même zone présentement. Et je prédis un box-office honorable, mais pas spectaculaire, de 120 millions. Ben, donc, il rentre presque dans son argent, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, mais tu sais, mondialement, pour ses produits dérivés. Fait que c'est correct, on fait pas de deux. Ils vont en vendre, hein, des petits personnages sont assez drôles. Je me disais, pourquoi ils sortent pas ça pour Noël, mais ils veulent que ça se vende avant Noël. Ça, c'est mes prédictions, là. C'est pas avec leur cheveux. Moi, je prédis qu'ils vont te planter et qu'on va assister à une invasion de trolls. Il y en a des oranges. Qui sait? Bon, on le souhaite. La semaine prochaine, Arrival, dernier film de Denis Villeneuve, réalisateur québécois. Qui connaît un fort succès d'estime aux États-Unis, qui va faire Blade Runner 2. Très sympathique. J'ai jamais rencontré, mais ça a l'air qu'il est cool. Non plus. Et voilà. Probablement, le film a 100% sur Rotten Tomatoes. Cool. Wow. Tu peux pas faire mieux que ça. Le film a une réception critique. Ben, c'est ça. C'est bon. Tu peux pas faire mieux que ça. Mieux que ça, c'est 101%. Ben, c'est okay. Après ça, bon, c'est quand même un film peut-être un peu de niche pour Monsieur Tout-le-Monde. Ça va pas... C'est pas nécessairement une bande-annonce accrocheuse comme un Harlan ou... Ça va sûrement pas sortir sur beaucoup d'écrans non mais plus, non? La réception critique d'un film, ça influence son box-office. Puis dans le cas présent, je suis sûr que ça l'influence vers le haut. Puis là, je vais te dire un très optimiste, 100 millions. Mais tu vois, Julien, moi, je vais au cinéma quand un film, je me dis qu'il vaut la peine d'être vu au cinéma, puis celui-là, il en fait partie, tu sais. Ça a l'air que c'est malade, ça a l'air que c'est... Puis la bande-annonce, je la trouvais justement énigmatique puis accrocheuse. Ouais, tu sais pas trop, c'est comme un... Ça semble que c'est... Je l'ai pas vu, évidemment, mais ça semble être une réflexion, justement, sur le langage, puis sur quelle manière qu'on peut... entre espèces Je pense que ça va être un film plutôt de niche, mais tu sais, un peu comme peut-être un genre de Interstellar, tu sais, que tu dis faut que j'aille le voir au cinéma. Mais il sort pas sur autant d'écrans, tu sais, un il film comme ça. Il sort, selon mes chiffres qui sont devant moi, il sort sur 2200 écrans, ce qui est pas énorme. Mais Sicario, il avait sorti sur pas beaucoup, puis quand une fois que ça pogne, ils le mettent sur plus, j'imagine aussi. C'est du cas par cas, c'est une question compliquée, là. J'essaie de m'intéresser. On parle souvent de la marde du triceratops. Oui. Mais la pisse. Quoi? La pisse du T-Rex. La fin de semaine suivante. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Nouveau volet de la franchise Harry Potter. Harry Potter, écoutez, est-ce que j'ai à vous expliquer le succès d'Harry Potter? Oui. Le dernier volet, je vais l'expliquer. Le dernier volet a fait 1,3 milliard au box-office mondial. Pardon? C'est un phénomène mondial, évidemment, qui transcende tout. Ça te paye le loyer, ça, mon petit deux fois. Ceci étant dit, évidemment, les studios, oh my God, on fait 1 milliard par film, qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on en fasse d'autres. Je suis pas super familier avec le produit original, mais je pense que c'est juste comme un petit roman de 60 pages, je sais pas quoi, un truc de même. Donc, ils font une trilogie avec. Qui allait devenir une trilogie qui, maintenant, ils ont annoncé, serait 5 films. Et tabarnan. C'est pathétique. Ça fait 12 pages par film. Mais c'est le même réalisateur que les 5 ou les 4 derniers Harry Potter, David Yates, qui a fait aussi le film de Tarzan qui n'a pas marché au box-office. Visuellement, ça va être très réussi. Ça a coûté une calice de fortune. Ça fera pas, selon moi, le box-office d'Harry Potter, parce que c'est pas Harry Potter, c'est le petit spin-off, mais ça va quand même connaître un succès honorable, parce que tous les fans d'Harry Potter, ben, ça leur fait un nouveau Harry Potter au cinéma. Fait que ça va être comme Harry Potter, mais un petit peu moins. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Alors, selon moi, ça va faire un correct 250 millions. Ouf! Oh! Puis ce qui est à peu près ce qu'il a coûté aussi. C'est ma prédiction. Mais tu sais, c'est Harry Potter, ça fait. Le dernier Harry Potter fait 380 millions. Mm. Puis c'est genre le 8e film d'une franchise, la finale, qu'on attend tous. Ouais. Je vois pas comment ce film-là pourrait déclasser ces chiffres-là, à mon avis. D'accord. Mais c'est ça. On va terminer, la semaine suivante. Bad Santa 2.
Yeah! Woo! That's my boy. Bad Santa 2, c'est une suite tardive de comédie. Yeah! Une suite tardive de comédie, c'est presque un sous-genre. Avec le nain. La cloche et l'idiot. La cloche et l'idiot 2. Yeah! Zoolander 2. Yeah! Police Academy 2. Non, ça, c'est pas Academy, c'était un par année. Anchorman? Anchorman 2. Rock'n'roll. Voilà. Ça, c'est du cas par cas. Anchorman 2 a fait plus que le 1, mais à peine. Puis en tenant compte de l'inflation, même pas. Zoolander 2 a fait la moitié du 1. Sans compter l'inflation, encore une fois. Pardon? Malheureusement, Bad Santa 2, je crois, va entrer dans cette catégorie-là. Yeah. Ça va être... je pense pas... Je vois pas sous quelle logique Bad Santa 2 va faire plus que le 1. Mais c'est un film de Noël. C'est un film... culte, mais pas tant culte. Non, non. Pas tant culte. Plus en culte, je te dis. Il y a personne qui cite Bad Santa. C'est pas... tu sais, on s'en rappelle, là, puis on l'aimait bien, mais ouais, c'est... mais quand c'est le temps de Noël, puis t'es en congé, puis tu sais pas quoi aller voir, puis que tu veux pas voir un drame, tu vas voir Bad Santa 2? Oui, tu peux aller voir, mais tu sais, je pense que ça va... ça rend à, t'sais, tout le monde s'en rappelle, mais personne... on s'en crisse un peu. Yeah! Fait que j'ai prédit malheureusement un faible 35 millions. Ah, il est bien à plaindre, le Père Noël. Il est bien à plaindre. Pendant que le T-Rex, à chaque jour, pendant 12 heures, marche dans ça d'urine, l'urine acide. Suite tardive. Souvent, probablement, tu sais, Trainspotting 2. On pète les plombs globalement, là. C'est genre, hey, Trainspotting 2, puis on l'aime, la bande-annonce, puis l'écouter 6 fois. Il y a des suites tardives. Que ça fonctionne. Finding Dory, présentement, c'est une suite tardive. Que ça fonctionne. Fait que ça existe. Mais il y a des suites tardives qui sont comme, ah, quel film déjà, là, il y a 20 ans que ça a bien marché, là. Ah ouais, Bad Santa aussi. Ouais, hein, faudrait... Blade. Il y a des suites qui sont faites pour le, il y a des suites qui sont faites pour le cash, puis qui sont faites par le cœur. Si on avait un beau Rush Hour 4, hein? Mais la série télé, ils en sont où avec ça? Hey, c'était pas bon, ça. Moi, j'avais écrit un Rush Hour 4. Ça existe, ça existe, Rush Hour 4. J'avais écouté le premier ou les deux premiers épisodes. C'était une série télé. Ouais, la série télé. Ça a sorti l'an dernier, puis c'était pas bon, là. Moi, je parle d'un vrai Rush Hour 4 qui se passe en Afrique. Ils sont jamais allés! Ils sont jamais allés en Afrique! Est-ce qu'ils sont allés en France avant d'aller en Afrique? Incroyable. Incroyable. Un Rush Hour 4 raciste, là, à Jurassic Park, là, peut-être que ça les réveillerait. Ben non. Parce que je verrais là, que c'est une poubelle. Une poubelle qu'on met des... Il n'y en aura pas de suite à Jurassic Park. Il n'y en aura jamais. Parce qu'ils vont mourir dans 4 ans. Mais hein? Tiju t'a mentionné... Des boutons gros de même sur le dos. J'ai jamais vu ça. Trainspotting 2? Oui. Ouais, c'est quoi la... Trainspotting 2, on me l'a demandé. Trainspotting 1 a fait 17 millions en 95. Ben mais Trainspotting, c'est un film... qui est devenu culte après. C'est un film de répertoire, là. C'est un film étranger qui sortait sur pas beaucoup de salles, là. Que 17 millions, à la limite, c'est un très bon score pour ce que c'était. Trainspotting 2 va faire beaucoup plus que ça. Combien il va faire? Je pense que... Premièrement, il est trop tôt. Mais sinon, je pense... Malheureusement, même si ceux qui l'aiment l'adorent, c'est de niche un petit peu. Fait que moi, je prédis un très, très honorable 60 millions. Oh! Mais c'est pas un blockbuster, là, mais c'est très bon. Là, puis ça a dû coûter comme 10-15 millions. Là, puis moi, non, je me suis pas dit que deux, genre, ça me donne une raison de vivre. Là, je suis comme. Ça tient un film. Ça tient à rien. Ça tient à rien, c'est ça. En terminant, Moana. La même fête que Bad Santa 2, soit le 23 novembre. Moana, qu'est-ce que c'est? C'est la dernière production d'animation de Disney. Par Disney, je ne vais pas dire Pixar qui appartient à Disney. Je veux dire Disney. C'est leur dernier film qu'ils ont fait d'animation, c'est Frozen, qui a connu un succès immense mondial de 1,2 milliard, avec notamment une trame sonore qui a connu un succès immense aussi. Ah oui? Puis que c'est le film qui a fait, le deuxième film qui a fait le plus d'argent au Japon de tous les temps, puis qui est resté numéro 1 17 semaines. Après Blade. Frozen est resté numéro 1 au Japon 17 semaines. 17! Oui! Après deux semaines, un film, c'est comme, il n'existe plus. Là. Est-ce que Moana va reconnaître ce succès-là? Non. Mais ça va... Je pense quand même que ça peut marcher. C'est avec The Rock puis je sais plus quelle chanteuse. Yeah. C'est du monde avec des tatous que c'est genre la plage. Courtney Cox. Probablement que les critiques vont être bonnes parce qu'ils font quand même des produits de qualité tout le temps. Je pense que ça peut faire 250 millions. Ça va être bien correct. C'est tout? Wow. Ben, c'est carré 250 millions. Dis. Alors voilà, c'est une prédiction box-office. Ce sont bien sûr des prédictions. Alors, peut-être que je suis complètement dans le champ, mais je le serai pas. Non. Fait que voilà.
J'ai vu un pyrodactyle. Avec les ailes tellement maganées. Là. On constate avec juste. Oui, OK. Je pouvais juste plus voler. On est du game de chanter. Il me regardait, là. On va terminer il avec. Il me regardait là, puis il pouvait pas voler. Ça fait déjà 50 minutes qu'on est là. Je lui ai lancé son poisson. La chronique. C'est la chronique Aniquette. Hey, ben bravo. Hey. Dernière chronique, tout le monde. Ça fait 50 minutes, je sais, ça fait longtemps. Ça va, tout le monde? C'est un vrai marathon. C'est un vrai marathon. On termine avec la crème de la crème de ma poche. Mathieu Niquette. La petite crème à Julien. Avec la brume de ma bouche. Vous savez, j'ai travaillé comme journaliste à l'époque dans une autre vie. J'ai eu plusieurs vies, moi, les garçons. Et Sophie, et les gens à la maison. J'ai travaillé comme journaliste, puis on se rend compte, quand on travaille comme journaliste, que les nouvelles, c'est tout le temps la même chose, c'est cyclique, ça revient toujours, c'est toujours pareil. Cette semaine, j'ai vu une nouvelle qui m'a rapporté à une autre nouvelle, qui m'a ensuite rapporté à une autre nouvelle, puis ça implique Jean-Luc Mongrain plusieurs fois. C'est un genre de chronique animalière. En même temps, ça parle de Jean-Luc Mongrain. Puis on va commencer tout de suite par écouter un extrait de Mongrain, hein, qui est passé à deux doigts de s'appeler Magraine. Pas fort. Ça avait été animé par une fille à l'époque. C'est vrai. Hein, probablement que ça serait appelé comme Magraine ça. Magraine de sel. Hein. Ben, oui, Magraine de sel. Je pense pas, non. Ben non, c'est le nom de famille. Et oui, je le sais. C'est une joke. Ben oui, mais... On a une joke. La joke, c'est les... C'est la souffrance de ces êtres-là. L'extrait est tiré de 1996 et ça va comme suit. Ça s'appelle Jean-Luc Mongrain, 1996, La Moufette. On va écouter, c'est quand même un bon extrait. J'ai laissé l'intro parce que ça nous remet dans l'époque. C'est délicieux. C'est comme un voyage dans le temps. Vous allez voir, ça brasse. N'as-tu des bêtises? Écoutez celle-là, moi je mange ma chemise puis je commence par le collet. Il y a un curé, un père de Sainte-Croix. Il reste à la montagne, à l'oratoire, c'est eux autres qui sont en charge de l'oratoire. Puis il y a une résidence pour eux autres, ils sont peut-être une douzaine. Salut Lexington. Un gars qui cogne à la porte. Bonjour, j'aimerais parler au père Martin. Oui, c'est moi. Ha ha ha! C'est qui, là? Est-ce que là, ouvert là, vous n'avez pas attrapé une moufette? Pardon? Il dit oui, une moufette. Ben, il y avait une moufette qui se promenait, j'ai mis un piège à la sortie du trou, là, puis il faut la poignée, elle pue. Ben, ils vont y faire une charge, ils font un procès. Un procès? Nul ne peut utiliser des pièges à pattes. C'est illégal, c'est dangereux. Pendant ce temps-là, dans le même pays, on fabrique et on négocie l'utilisation des bombes antipersonnelles dans le monde. Oh, Paul Desrivières n'aimera pas ça, je suis démagogue. Le devoir. Mais ton Dieu, il poursuit le curé. C'est-tu une maudite perte de temps? Vous n'avez pas le droit d'écraser un muneau sur la terrasse chez vous, saviez-vous ça, vous autres? C'est illégal. Il faut que tu appelles la SPCA, ils vont t'envoyer de la documentation. Hey, dans ton lieu, eh bien, regardez passer le mulot. Si vous voyez la bête, s'il vous plaît, attachez-vous, pas ici. Les tapettes du droit. C'est là où je voulais en venir. Mais c'est quand même logique qu'il y ait des législations par rapport à tuer les animaux. Oui, c'est logique. Wow, Jean-Luc! Mais je pense que tout repasse quelque chose ici, Julien. Dans quelle année, ça? En 1996. Wow. Ça fait 20 ans aujourd'hui qu'à l'époque, on avait le droit de dire, de traiter les gens de tapettes du droit. Hein. Oui, à télé. Puis de faire mi-mi-mi-mi-mi-mi en pleine TV, en pleine journée. À l'époque... Comme vous voyez, Jean-Luc est un petit peu plus contre les animaux. T'sais, hein, Jean-Luc, en 1996, ça fait 20 ans, d'autres mentalités, comme on l'a entendu. C'est dégueulasse! Après ça, un peu plus tard, dans la vidéo, il raconte un traumatisme de jeunesse qui implique de la pisse de moufette puis du jus de tomate, qui se termine par « On a pris la 303 puis on l'a tiré ». Fait que tu sais, en 1996, il y avait comme… Get a shotgun. Ouais, c'est ça. En 2016, ça se passe encore, monsieur. Il y avait comme un moment aussi où il se rend compte que son segment est inutile. À 6 minutes 12, je vais le mettre. C'est à un moment donné, lui-même se rend compte que sa nouvelle sert à rien, ça sert à rien de parler de ça. Ça n'a pas de bon sens. Moi, des fois, là, je regarde ça et je dis, en réalité, pourquoi ça fait qu'on ne fait pas un show yank de conneries de même? J'aime ça des fois en faire aussi.
Vous allez dire, pourquoi vous prenez du temps d'antenne précieux pour ça? Parce qu'il y a des sans-dessins qui nous forcent à dire qu'ils n'ont pas de bon sens. C'est de là qu'est né le show de Denis Lévesque. C'est exactement, ça? c'est les balbutiements de ça. Et là, fast forward, 13 ans plus tard. Ouais, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. On n'a plus le droit de traiter le monde de tapette en pleine TV. Puis Jean-Luc a complètement changé de mentalité. Maintenant, c'est rendu l'ami des animaux. En podcast, on peut-tu? Oui, je pense qu'en podcast, on est encore assez far west. On peut se traiter de tapette si on veut. En 2009, il y avait un procès absurde contre un vieux monsieur qui avait nourri des écureuils. Puis ça avait fait bondir le bon Jean-Luc. Puis dans l'extrait que j'ai choisi, Jean-Luc nous montre que si son opinion sur les animaux a varié avec le temps, il y a des choses qui changeront jamais, comme ces remises en question de son propre show. Fait que 13 ans plus tard, encore une fois, Jean-Luc constate que il parle de quelque chose dont il ne devrait pas parler à la télé et il le mentionne. C'est tiède. Et là, ça va nous prendre des radars à écureuil. Cachez-vous en arrière des arbres. Cachez-vous comme il faut, là, à Ville-Mont-Royal, là. Ah ah! Viens te poigner. Deux pinottes. Ça, c'est double ration. 150$. Et nous autres, je suis en train de parler de ça, moi, là. Une émission nationale d'information. Il n'y a pas un chef de pupitre, il n'y a pas un directeur des nouvelles qui mettrait ça en deuxième nouvelle. J'ai fait, moi. Pas parce que la nouvelle est importante, c'est parce que c'est sans génie. Ouch. Avec nos deniers publics. La folie est assez grave que ça peut faire la manchette au-dessus de la une. Fait qu'à l'époque, on se cachait pas. T'sais, on faisait de l'inutile, mais on l'assumait. Ouais, je le sens moins hétéronormatif, mon Jean-Luc. Ouais. Oui, non, à l'époque, il a évolué. Et là, ça nous amène, on va sortir de Jean-Luc un peu. Où est-ce que je vais en venir avec tout ça? C'est une nouvelle qui est sortie jeudi, puis qui raconte qu'un écureuil enragé a attaqué une résidence de personnes âgées jeudi dernier aux États-Unis, à Atlanta. Les raisons de tout ça, probablement la malnutrition, hein, parce que là, on n'a pas pu nourrir les écureuils à cause de la loi qui avait été passée. Les écureuils sont rendus en colère. Les écureuils nous réattaquent. Là, ils ont senti la vieille note. Ben, exactement. Imagine un vélociraptor. Oui. Puis ça, c'est en 2009, 7 ans plus tard, le temps qu'ils s'organisent ensemble, les écureuils. Et là, ce qui est arrivé, c'est un écureuil a semé le chaos dans une résidence à Deltona, en Floride. Et puis, je vais vous faire entendre l'extrait. C'est un extrait audio de ce qu'on a entendu, l'appel du 911. Une dame en détresse. Dieu. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Tu? Oui. Okay. We had a squirrel that entered our building and it's in our activity room and it's jumping on people and biting them and scratching them. The attack happened around 2:00. The woman telling dispatch that people are bleeding and that they need help. Does anybody there need an ambulance to take them to the hospital? Oh, I don't know if we need to go in an ambulance, but we need some care for people here. It's still in there and the people are bleeding. You can hear people. Oh, t'as parlé par-dessus le punch, mais c'est pas grave, ça, Julien. Non, c'est pas grave, Julien. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'elle dit, c'est qu'il y a des gens qui saignaient abondamment. L'écureuil est entré, il a attaqué 3 ou 4 personnes âgées. La personne lui demande est-ce qu'ils ont besoin d'assistance. Oui, il y a des gens qui saignent abondamment en ce moment. Puis ça, je pense que c'est directement lié à cause des nouvelles qu'on a parlé un peu plus tôt. Les nouvelles sont cycliques, les nouvelles reviennent toujours. Et puis, on est rendu qu'à cause de ça, il faut vivre dans un monde où il faut se méfier des bêtes de la nature. On est toujours à la merci des écureuils, finalement. Il en parlait en 96, puis il en parle encore aujourd'hui. 20 ans plus tard, les écureuils. Et je profiterai du moment pour vous rappeler qu'on est dans un jardin et que l'ennemi peut nous guetter à tout moment. C'est très Jurassic Parkesque comme décor. Oui, c'est ça. C'est ça pour vrai. Là, tant que t'as pas dormi dans un tas de marde de T-Rex. Pourquoi t'aurais fait ça? Parce que je voulais comprendre comment il vivait. Mais voyons donc. Parce qu'il vit là dans ça d'urine par jour, 12 heures. Puis je parle pas des brontosaures qui ont le rhume là, à longueur d'année. Merci beaucoup, Mathieu. Les écureuils ont plus de secrets pour nous. C'est vraiment un danger. On est tous en danger constamment. C'était le show de Décideret Live au Geekfest. Comment vous avez aimé ça? Bien sûr. Plus fort, tabarnak. Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu, de l'eau qui... Je sais pas les paroles. Voilà, il y avait Sophie Croteau. Merci beaucoup, Mathieu Niquette. Colin. Maxime Gervais. Nous, la semaine prochaine, on sera pas live ni au Geekfest. On vous aime beaucoup. Merci tout le monde. Bye!
Libérez les dinosaures! Free dinosaures en Floride! Ciao! En direct du Geekfest de Montréal, c'est le Podcast Mania. Restez avec nous dans quelques minutes, ce sera le stream avec Yann Thériault.